Je sors ton frère Lincoln qui est là pour en ces dimanches la bonne nouvelle. Et pour aujourd'hui, on va lire le livre de la première lettre de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Et il dit ceci. Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Ne demandez pas le mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. J'aime ce passage parce que ça nous amène à la base. Aujourd'hui, de nos jours, nous sommes encouragés à envoyer le feu. Nous sommes encouragés à prier quasiment pour le mal de nos ennemis. On voit ici le Seigneur, il nous encourage à l'amour. Il nous encourage à dépasser les standards humains pour entrer dans ces standards. La première chose, il nous amène, il nous encourage entre nous, enfants de Dieu, de rechercher toujours un accord parfait. Pour rechercher cet accord-là, pour être en harmonie entre nous, nous devons être sensibles, sensibles aux autres. De nos jours où le moi est encouragé, les seigneurs nous appellent plutôt à penser à l'autre, à voir qu'est-ce que l'autre a besoin, qu'est-ce que l'autre veut, et à être sensible à son besoin. Comme lui-même a été sensible à notre besoin, il s'était dépouillé de sa divinité. Il n'a pas cherché à être égal à son Père, mais s'est dépouillé, il s'est humilié, il est descendu ici pour rencontrer notre besoin du salut. Il nous encourage à être plein d'affection fraternelle, à aimer nos frères, à penser du bien de nos frères, à le bénir. Quand le frère a des difficultés, de penser, qu'est-ce que je peux faire pour aider ce frère-là à se relever? Si le frère tombe, qu'est-ce que je peux faire pour aider le frère à se relever? Si ma soeur est boite, qu'est-ce que je peux faire pour la redresser? Être à manifester des affections fraternelles et d'être bienveillant. Bienveillant à l'égard entre nous. Parce que le Seigneur nous appelle, Dieu est bienveillant à l'égard de nous et nous appelle aussi à être bienveillant à l'égard des autres. C'est ça, la base. Moi, j'aime ce verset parce que c'est comme ça nous ramène à l'essentiel, la base de la vie chrétienne, la base d'un enfant de Dieu. Il dit d'humilité. Aujourd'hui, même nous, dans la vie chrétienne, chez nous, entre nous, on a perdu cette notion d'humilité. D'humilité de dire l'autre est meilleur que moi. L'autre, je ne suis pas meilleur que l'autre. Je ne suis pas meilleur que ma soeur, je ne suis pas meilleur que mon frère. Mais tout ça, c'est Dieu a réparti la grâce chacun, à chacun, selon son bon vouloir. Alors quand l'autre avance, je le bénis. Je ne cherche pas à le rétrograder, à le baisser, pour que moi, je sois élevé. Comme Jean-Baptiste avait dit, que je diminue, que lui, il grandisse. Voilà l'humilité que Dieu nous appelle. Voilà l'humilité que Christ nous appelle. Comme Paul pouvait dire, je suis le moindre de tous. Quand on regarde maintenant ceux qui nous font du mal, Dieu ne dit pas, envoie le feu à ceux qui te font du mal. Prie que ces chemins se ferment. Mais au contraire, il dit, rendez pas le mal pour le mal. Comme la femme de notre pasteur aujourd'hui nous prêchait, il dit, quand tu vois quelqu'un comploter contre toi, prie pour lui. Bénis-le. Bénis-le. Et le Seigneur nous dit, rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Mais au contraire, bénissez. Bénissez. Bénis ceux qui te font le mal. Bénis ceux qui complotent même contre toi. Pourquoi? Dieu dit, car c'est à cela que vous avez été appelés. Oh, donc on n'a pas été appelés pour envoyer le feu au monde. On a été appelés pour bénir. Pour bénir. Afin d'hériter une bénédiction. Plus toi tu vas bénir, toi que ta bouche va être un instrument de bénédiction, plus aussi Dieu va faire tomber sur toi la bénédiction. Ma prière aujourd'hui,
Que la bénédiction de Dieu demeure abondamment dans votre vie. Et pour cela, vous devez toujours bénir, ne maudissez pas. Amen. Amen. Come on, you're making a prayer.